Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retro Time qui sera dédié à un jeu Virtual Boy, comme vous pouvez le voir, qui s'appelle Mario Clash. Mario Clash, pour information, sorti le 28 septembre 1995 au Japon et le 1er octobre 1995 aux États-Unis. Voilà. Alors, déjà une petite cinématique pour commencer le jeu. Il n'y a pas vraiment d'histoire, enfin il y a une histoire mais en fait c'est assez osef quoi. Genre là en fait il y a une tour. Ce qui s'appelle la tour Clash. Pourquoi? On ne sait pas. Voilà, bon, une tour Clash, voilà. Et là, il y a un dirigeable avec une tête de mort qui n'est pas sans rappeler les têtes de mort du Sugar Clan, là, les méchants dans Wario Land. Et donc, je sais pas s'il dépose des bombes ou il dépose des méchants. En tout cas, enfin, il dépose des trucs dans la tour. Voilà, bon, ok. Donc, voilà, en gros, des méchants qui sont en train d'envahir une tour. Une tour, voilà, donc en gros, là, ils ont hissé leur drapeau, ils ont conquis la tour, voilà. Donc la tour, comme vous pouvez le voir, elle est immense, elle est vraiment gigantesque. Et tout en bas, eh bien, il va y avoir notre cher plombier Mario, qui va décider tranquillement d'aller délivrer cette tour. Voilà, bon, un scénario un peu bateau, mais bon, c'est pas l'important du jeu. Donc voilà, Clash Tower, la tour Clash, ok, pourquoi pas. Et voilà, Mario rentre, et donc ça va être une succession de niveaux dans un jeu assez arcade. J'ai beaucoup de choses à vous dire dans cet épisode. Déjà pour commencer, la Virtual Boy, c'est une console de Nintendo sortie dans les années 90 qui n'a pas énormément marché. C'est même le plus gros échec de Nintendo. Hein, on dit, il faut vraiment dire les choses comme elles sont. Voilà. Donc en fait. La console, comme elle a duré que 2 ou 3 ans en fait en termes de longévité, eh bien c'est certainement l'une des seules consoles de Nintendo pour lesquelles il n'existe aucun outil de capture. C'est-à-dire que moi je vous l'ai dit et répété plusieurs fois, je ne veux pas faire de vidéo sur émulateur. Mais pour les 3 jeux Mario sortis sur Virtual Boy, je n'ai pas le choix. Là, je suis en train de jouer sur émulateur et je serai obligé de vous présenter les 3 jeux sur émulateur. Mais j'ai les 3 jeux chez moi, j'ai la Virtual Boy, j'ai même d'autres jeux Virtual Boy. Personnellement, la Virtual Boy est une console que j'aime beaucoup, pour beaucoup de raisons. Parce que malgré qu'elle a des jeux très nuls, elle a quand même pas mal de jeux très bien, avec de très bons concepts. Et moi aussi, on peut me traiter de, je sais pas, je sais pas, de consommateur ou je ne sais quoi. Mais bon, en tout cas, j'adore la 3D. La 3D stéréoscopique, c'est une technologie dont je suis énormément fan. La 3DS, quand elle a été annoncée, beaucoup de gens l'aiment aujourd'hui pour les jeux qu'elle a. Moi, quand j'ai entendu l'annonce de la 3DS, ce qui m'a le plus plu, c'était qu'en fait, qu'elle était en 3D stéréoscopique. Je déconne pas, je suis énormément fan de 3D. Et donc la Virtual Boy, mais pour moi, enfin, je l'ai pas connue à l'époque, forcément, vu qu'elle n'est jamais sortie en Europe. Mais quand je l'ai redécouverte, là, je l'ai achetée l'année dernière. J'ai été vraiment fan. J'ai découvert un système qui m'a énormément étonné. Et donc tout ce qu'on dit, comme quoi la Virtual Boy donne des migraines et tout quand on y joue trop, ça par contre, je veux pas la défendre, c'est vrai. La Virtual Boy a vraiment, en fait, là je suis en train de jouer. Parce que là je m'adresse, mince, ok. Je m'adresse à des gens comme si vous connaissiez déjà la Virtual Boy, mais pour ceux qui ne connaissent pas la Virtual Boy, c'est une console de Nintendo, donc sortie dans les années 90. Qui affichait des graphismes en 3D stéréoscopique. Donc le jeu auquel je suis en train de jouer, en fait, à l'époque, il était en 3D stéréoscopique. C'est-à-dire, 3D stéréoscopique, c'est un peu comme le film Avatar ou comme les jeux de la 3DS, quoi. Voilà. Pourquoi les graphismes sont tout en rouge? Eh bien, tout simplement parce que, à l'origine, même dans la Virtual Boy de l'époque, les graphismes sont tout en rouge. Et ils sont tout en rouge parce que, bah, il n'y avait pas les moyens, en fait, de faire des couleurs, enfin plus de couleurs pour afficher des graphismes 3D. Voilà. Alors ça, ce mini-jeu, je vais certainement me ramasser comme pas possible parce que c'est le mini-jeu où la 3D est indispensable. Genre sans la 3D, il est impossible de s'y retrouver parce que les pièces arrivent, on voit leur ombre, mais à partir du moment comme il y a une cuve, on voit plus leur ombre et donc c'est super galère. Voilà, bon, en plus je me ramasse comme pas comme n'importe quoi. Alors, donc j'avais des choses à dire. Je sais pas trop par où commencer. Alors, Mario Clash, en fait, c'est un jeu qui, dans sa version bêta, en fait, quand il a été annoncé en même temps que la Virtual Boy,
Il a été présenté sous un autre nom, c'était Mario Bros. Virtual Boy. Et en effet, c'était censé être un remake en fait de Mario Bros, le tout premier, hein, celui sur arcade, mais avec eh bien tout simplement jeu juste sur la Virtual Boy. Mais il n'y avait aucune différence, c'est-à-dire que le jeu était toujours en 2D. Le jeu était vraiment en tout point exactement pareil. Le level design était le même. Vous pouvez retrouver des images facilement sur le net. Tapez Virtual Boy Mario Land et vous verrez que enfin, c'était exactement le même jeu que dans par exemple les Super Mario Advance. Voilà. Donc ça n'avait pas énormément d'intérêt. Mais ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, au final, un jeu qui devait s'appeler Super Mario Virtual Boy Mario Land a été annoncé. Ça devait être un jeu d'aventure, un jeu de plateforme Mario sur la Virtual Boy. Finalement, il a été annulé parce que, bon, un Mario, ça met quand même quelques mois à être fait, ça demande des ressources, et comme la Virtual Boy ne marchait plus, Nintendo s'est dit ça ne sert à rien. Le jeu sortira, tout le monde s'en foutra, donc ça ne sert à rien. Autant pas sortir le jeu. Donc ils se sont dit on va faire un jeu vite fait. Donc on va reprendre notre concept qu'on s'était dit là de faire un Virtual Boy Mario Bros. Mais en reprenant la physique de Virtual Boy Mario Land. Donc en fait ça fait que là, le jeu auquel je suis en train de jouer est en fait une transposition du concept de Mario Bros, donc du tout premier jeu sur arcade, mais en 3D. Et je trouve que dans le principe, c'est très bien fait. C'est-à-dire qu'on retrouve la plupart des ennemis de base. Donc ils ont un peu changé, mais ils ont toujours leur déplacement de base. On retrouve les tuyaux. On retrouve des ennemis qu'on ne peut pas battre, tout simplement en leur sautant dessus. Donc c'est quelque chose de, je trouve, d'assez sympa. Mince. Dans le principe, c'était une super idée. Après, le jeu a quand même beaucoup de défauts. Il a une maniabilité exécrable. Et franchement, j'ai rarement vu une maniabilité aussi pourrie. Le jeu est quasiment injouable. Les sauts sont super mal gérés. Il y a plein de problèmes sur ça. C'est vraiment incroyable. Voilà. On fait que de mourir, mais super, super bêtement. Genre, on comprend pas comment on fait pour mourir en fait à ce moment-là. C'est-à-dire que les sauts se... En fait, le problème, c'est que je crois que les sauts, en fait, sont trop maniables, mais vraiment trop maniables. C'est-à-dire que on se retrouve à anticiper, en fait, un espèce de glissement qu'il y aurait dans un Mario... dans un Super Mario Bros. Dans Super Mario Bros, le personnage glisse. Et là, le personnage ne glisse pas. Et c'est un problème, en fait, parce qu'on s'attend à ce qu'il glisse, et comme il ne glisse... Ouh, mince. Ok. Fail. Voilà. Mais le fait de parler, ça me perturbe un peu en même temps, parce que c'est un jeu où il faut vraiment pas mal de concentration, parce que comme je vous ai dit déjà, c'est assez difficile à manier, et de base, c'est aussi assez difficile. Alors, donc l'écran de score. Ah oui, un truc à dire, donc comme c'est un jeu de scoring en fait, comme vous l'avez vu, genre on fait du score, on fait plein de niveaux, on fait du score, et ensuite on doit refaire le jeu pour rebattre notre score. Mais le gros défaut du jeu, qui avait même été critiqué à l'époque, c'est que le jeu n'a pas de fonction de sauvegarde. C'est-à-dire que si je fais un score, cool, j'en suis fier, j'arrête de jouer à Mario Clash, j'y rejoue le lendemain, mon score est effacé. Il n'y a pas de pile de sauvegarde dans le jeu. Et donc c'est juste horrible, parce que ça fait que, au final, on fait des scores de manière complètement vaine. Enfin, le seul moyen, c'est d'écrire nos scores sur des morceaux de papier, parce que même quand un ami vient chez soi et qu'on lui dit, tiens, tu veux battre mon score à Mario Clash, bah au final, le score n'est pas marqué, donc c'est complètement bête. Mais bon, tant pis. Alors donc, comme je vous ai dit, ça reprend Mario Bros, mais ça l'actualise un petit peu. C'est-à-dire que là, par exemple, ce ne sont dans Mario Bros, le premier, les ennemis c'était des carapeurs. Et bah là, ce sont des Koopa Troopa. Simplement parce que les carapeurs, la différence entre les carapeurs et les Koopa Troopa, c'est qu'on ne peut pas sauter sur les carapeurs, alors que les Koopa Troopa, on peut. Donc là, ils ont essayé de mettre des Koopa Troopa. Ensuite, tous les ennemis que je bats, là, qui ont un pic sur la tête, c'est des Picos. C'est-à-dire que pour les battre, il suffit. Les Picos, c'est les bruits insectes avec un pic sur la tête. Donc c'est des ennemis qu'on rencontre généralement dans la plupart des Mario. Alors donc, pour les battre, il suffit de leur envoyer une carapace sur le côté. Normal. Là, par contre, ce sont les ennemis là avec 3 pics. Mince. Ok, trop bête. Donc les ennemis avec des pics sont des ennemis un peu plus originaux, c'est-à-dire qu'ils sont apparus vraiment que dans ce jeu. Ils sont jamais apparus ailleurs. Et en fait, eh ben, ils s'appellent des tornis. Et en gros, ce qu'ils ont de spécial, c'est juste que on ne peut pas les tuer en leur envoyant des carapaces directement vers eux. Ce qu'il faut, c'est leur envoyer
des carapaces dans la profondeur en fait. Ce qui est en gros le principe du jeu. Comme le jeu était censé être jouable en 3D, là il joue pas en 3D, c'est aussi pour ça que je galère, parce que viser comme ça sans la 3D, c'est complètement impensable. Donc je tire un peu au hasard. Mais donc en fait, faut tirer dans la profondeur pour... Ok mince, tout simplement pour les toucher. Voilà, pour les évanouir et ensuite pour leur pour les buter. Voilà, et donc chaque ennemi a comme ça un peu une particularité. Il y a pas un énorme bestiaire, mais c'est quand même assez sympa. Je reconnais ce qu'ils ont essayé de faire. Après, il y a d'autres ennemis, je sais pas si on va les voir. Je vais essayer d'aller assez loin. Parce qu'en fait, le jeu est infini, mais tous les 100 000 points, on gagne une espèce de trophée avec un personnage de Mario, genre Luigi, Peach, Yoshi. Enfin, on gagne un trophée. Donc, plutôt que le personnage apparaît en lui disant félicitations, un truc comme ça, mais c'est tout, hein. Il n'y a pas une collection de trophées. De toute façon, je vous ai dit, il n'y a pas de sauvegarde. Donc, ce serait un peu impensable de faire une collection de trophées s'il n'y a pas de sauvegarde. Alors, demi-tour. Voilà. Ok. Bon, je trouve que je me débrouille quand même pas mal. Alors, le champignon là-haut avec marqué un 17, je fais jamais gaffe, mais en fait, à chaque fois que je bute un ennemi, ça descend. Et donc, je pense que c'est que quand on arrive à 0, on doit gagner une vie ou un bonus, un truc comme ça. Voilà. Là, vous voyez, dans le public, il y a Peach, Luigi, Detod et Yoshi. Peach et Luigi sont à gauche et Yoshi est à droite. C'est marrant. Petit clin d'œil. C'est pas transcendant, mais c'est sympa. Surtout que c'est l'une des seules apparitions de ces personnages sur la Virtual Boy. Parce que la Virtual Boy a eu en tout 14 jeux, il me semble. Hein, très exactement 14 jeux. En tout cas, pas plus d'une quinzaine. C'est vraiment un échec cuisant. Qui a été fait en plus par Gunpei Yokoi. Et Gunpei Yokoi, c'est le mec qui a inventé le Game & Watch et le Virtual Boy. Donc venant de ce mec, avoir fait un échec avec la Virtual Boy, c'est impensable. Mais bon, y aurait énormément de trucs à dire en fait sur pourquoi la Virtual Boy s'est vraiment ramassée, etc. Mais je peux pas. Enfin, j'ai pas. Je peux pas m'éterniser là-dessus. Faudrait faire une vidéo qui durerait plus d'1 heure, quoi. Voilà. Alors. Par contre, j'ai pas gagné de vie là, c'est dommage. Ah, je crois qu'on gagne une vie à 20 000. Je suis pas sûr, mais il me semble. Ah, voilà, une vie. C'est ça le plus dur, ouais, c'est de les vider dans la profondeur, c'est totalement horrible. Alors, pour ceux qui... En fait, ce jeu vous dit peut-être quelque chose si vous avez joué au premier WarioWare. Parce que dans le premier WarioWare, 9V, il a un mini-jeu qui s'inspire de ce jeu, en fait. Juste pour le clin d'œil. Alors voilà, là, ces persos ressemblent énormément dans leur déplacement aux Fighterfly de Mario Bros. Sauf que ce n'en sont pas, ce sont des Paragoomba. Pourquoi pas Ok, je sais pas trop ce que Nintendo en pensait en faisant ça, mais bon, voilà. Donc voilà. Le jeu a aussi été produit par Gunpei Yokoi, hein. Il a travaillé en tant que producteur sur le jeu. En même temps, la Virtual Boy, c'était vraiment son projet, donc il a certainement voulu faire au mieux pour ses jeux. C'est des Paragoombas, mais avec un pic sur la tête. Alors pourquoi? Ça, c'est aussi assez étrange. Mais bon. Aussi, je me suis battu. J'ai vraiment cherché tous les moyens pour faire cette vidéo en 3D, en 3D stéréoscopique pour les, pour par exemple Crazyx qui m'a dit en commentaire qu'il avait un écran 3D. Mais j'ai vraiment tout essayé et j'ai pas trouvé de moyens. C'était assez chiant. Donc j'ai abandonné. Peut-être pour les autres jeux Virtual Boy parce qu'il m'en reste deux autres. Hein. Il m'en reste Mario Tennis, qui est le premier jeu de Mario Tennis. Et Wario Land Virtual Boy, qui est certainement l'un des meilleurs jeux de la Virtual Boy, qui est un Wario Land de plus proche du premier Wario Land que du deuxième. C'est-à-dire qu'on récupère des casquettes, des transformations, etc. Voilà. Je pense pas que j'arriverai à 100 000 avant la fin de la vidéo, mais faut toujours tenter. Ah, les niveaux de glace. Les niveaux de glace, déjà dans Mario Bros, le premier, c'est les pires niveaux du monde. Ah, là ça va, ok. Je me surprends. Oh! Mince. C'est parce qu'il accélère en fait le dernier. J'oublie à chaque fois. Alors.
Voilà, cool. Alors, donc, je vais pas très loin dans le scoring, hein, de ce jeu. J'ai jamais eu les 100 000, en fait. J'ai appris dans une vidéo qu'on pouvait avoir un trophée, en fait. Mais, ah, alors, ces ennemis-là, c'est trop horrible. Ils s'appellent Lob. Parce que, genre, enfin, je sais même pas pourquoi. Mais, genre, ils nous balancent des bombes. C'est horrible, vraiment horrible. Ah, là, ça va. Ça m'étonne, j'ai réussi à le battre du premier coup. Ok. Mais vraiment trop compliqué. Allez, voilà. Ouf! Ah, je m'étonne. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il balance des bombes, mais dans la profondeur. Et donc, comme il balance des bombes dans la profondeur, et ben en fait, il nous. Il... Si la bombe touche une carapace, et ben la carapace est détruite, en fait. Donc, c'est bête. Et c'est marrant aussi, juste dans le principe, d'avoir fait plusieurs décors. C'est pas non plus transcendant, mais bon, voilà, c'est des petits trucs comme ça qui rendent le jeu sympa. Mais c'est franchement pas le meilleur jeu Virtual Boy, hein. Ça, je vous le dis tout de suite, la Virtual Boy, elle a de meilleurs jeux. Mais en fait, ok, genre j'ai été trop surpris, je m'attendais pas du tout à ça. Mais la Virtual Boy, l'ironie de la console, c'est que ses meilleurs jeux sont des jeux qui n'utilisent pas la 3D. C'est super dommage. Genre les meilleurs jeux, ça doit être bah, Wario Land, Virtual Boy, quoi. Et ils n'utilisent pas du tout, mais vraiment pas du tout la 3D. Pas une seconde, donc... Vraiment dommage, Nintendo a un peu... Enfin, a pas exploité son concept de la bonne façon. Si je comprends bien... Ok. Ok, bon, si je comprends bien, ouais. Ce que je voulais dire, c'est que la bombe, elle, enfin le truc qui jette des bombes, il ne fait pas demi-tour si on lui... Si on lui, enfin, si on lui jette une carapace, contrairement aux autres. Par contre, là, il fait demi-tour s'il rencontre un Koopa. Cool. C'est vraiment trop dur en 2D, ce jeu. Enfin, on voit vraiment que le jeu était fait pour la 3D. Hein. Y a pas... Oh, il y a un champignon là-haut. Ok. Je sais pas si j'arriverai à le choper, mais... Je vais essayer. Qu'est-ce qui se passe? Ok. J'ai genre eu un super coup, un truc comme ça. Ah ouais, ok, genre c'est un truc qui... Je sais, ils auraient dû mettre une étoile en fait, ils avaient mis une étoile... Ah ok, ça, donc en fait quand on arrive aux champignons, et en fait on gagne un espèce de truc bonus qui nous permet de tout détruire sans problème. Ah, eux je les avais jamais vus d'ailleurs, je suis jamais arrivé jusque-là en fait. Et donc eux c'est les Arbipass, les fameux crabes dans Mario Bros qu'il faut avoir deux fois. Là je sais pas, je comprends pas trop. Ok, je pense que quand il est de face, en fait, eh ben, il faut l'avoir dans la profondeur, et quand il est... Ouais, c'est ça en fait. Voilà, je comprends. En fait, on est obligé une première fois de les avoir comme ça, et ensuite, faut les avoir dans la profondeur. Il y a de l'idée dans ce jeu, hein. Franchement, c'est... Faut pas en dire trop de mal, parce qu'il y a de l'idée. Même si y a quand même beaucoup de problèmes. Rien... Enfin... Déjà, graphique, au niveau graphique, le jeu, ça va. Mais au niveau du son, enfin, je sais que la Virtual Boy était très limitée. Mais elle devait avoir des limitations au niveau du son qui étaient un peu similaires à celles de la Game Boy. Et pourtant, la Game Boy, bon. Genre Mario Land, c'est pas un jeu que j'aime vraiment beaucoup, mais pff, les musiques sont cool, quoi. Y a pas grand chose à dire sur les musiques. Enfin, grand chose à dire de mal, quoi. Donc, non, c'est dommage. Mais on sent vraiment les jeux qui ont été faits à la va-vite juste parce que la Virtual Boy, de toute façon, allait mourir. Donc, fallait juste qu'on contente les rares acheteurs de la Virtual Boy. En leur disant, ouais, bon, il y aura au moins eu une dizaine de jeux sur la Virtual Boy. Mais on sent que c'était vraiment à contre-cœur, quoi. Ok, non, ça c'est ok. Ah, ça c'était très mauvais. J'ai plus de vie là? Ok, game over. Bon. Eh bien voilà, je vous ai présenté Mario Clash dans cette vidéo. J'ai dit à peu près en plus tout ce que je voulais. Cette fois, je m'étais fait un papier pour pouvoir récapituler tout ce que je voulais dire. Souvent, j'oublie plein de trucs en fait. Dommage. Donc, en résumé, un jeu très sympa pour la Virtual Boy qui exploite la 3D, mais vraiment énormément. Il y a quand même pas mal de jeux 3D qui utilisent vraiment bien la 3D, genre Space Squash. Lui, c'est le jeu 3, en 3D le meilleur au monde, mais je peux pas vous montrer, enfin en 3D stéréoscopique, hein, j'entends, mais je ne pourrai certainement jamais vous montrer une émulation parce que vraiment, c'est le jeu qu'on ne peut pas faire en 2D, mais impossible, impossible. Peut-être si un jour j'ai un écran 3D pour mon PC, on verra. Voilà.
Donc voilà, un jeu qui exploite vraiment les fonctionnalités de la 3D, mais on sent vraiment le jeu qui a été fait à la va-vite, déjà au niveau du son, au niveau de la maniabilité, il y a des trucs un peu foireux. Après le jeu, on tourne en rond à faire des niveaux, ok, c'est du scoring, mais on regrette vraiment le fait qu'il n'y ait pas de pile de sauvegarde dans la cartouche, parce que ne pas pouvoir sauvegarder, c'est juste impensable pour un jeu de scoring. Pour un jeu de scoring, la base, c'est de pouvoir pas sauvegarder sa progression, mais sauvegarder son score. Parce que là, j'ai fait 4470, bah, la prochaine fois, je saurai pas, genre en troisième, ce sera revenu le 30 000 du top score. Voilà. Dommage. Donc voilà. Le jeu n'a pas de fin, par contre, j'ai vérifié, c'est-à-dire quand on arrive tout à la fin du jeu. Et bah, enfin tout à la fin du jeu, genre à la salle 99, on repart à la salle 1. Enfin, il y a marqué au comptage salle 1. Voilà. Donc en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo de Retro Time dédiée à un premier jeu Virtual Boy. Je sais pas quand je ferai les autres, mais Wario Land Virtual Boy, il faut que je le refasse moi sur ma Virtual Boy pour repérer un peu le jeu, parce que je l'ai fait il y a très longtemps. Sur émulateur et je l'ai jamais fait sur Virtual Boy, le jeu étant très rare et très cher, et ben j'ai eu du mal à le retrouver. Et Mario Tennis, lui j'en ferai sans une petite vidéo parce que bon c'est rapide quoi, c'est un jeu de tennis basique. Voilà. Et bien merci à tous et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Retro Time. Bye!